C'est un Jair Bolsonaro à peine réveillé qui a été perquisitionné par la police fédérale brésilienne lundi matin. L'ancien président d'extrême droite se trouve dans sa résidence d'une cité balnéaire à environ 150 km de Rio. Parmi les cibles, l'un de ses fils Carlos Bolsonaro, que l'on voit à ses côtés sur ces images. Conseiller municipal de Rio de Janeiro, il est soupçonné d'être impliqué dans une affaire d'espionnage sous sa présidence. De nouvelles perquisitions ont été menées avec pour objectif d'enquêter sur une organisation criminelle au sein de l'agence brésilienne de renseignement. Les enquêteurs soupçonnent l'agence brésilienne de renseignement d'avoir utilisé un logiciel espion israélien. Le but, surveiller des centaines de responsables politiques et personnalités publiques sous la présidence de Jair Bolsonaro. Au total, la police fédérale a perquisitionné 9 de ses résidences lundi. Une nouvelle affaire qui vient s'ajouter au déboire juridique de l'ancien président. Âgé de 68 ans, Jair Bolsonaro a été condamné à 8 ans d'inéligibilité l'an dernier pour diffusion de fausses informations sur le système de vote électronique.